Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf.fr, et bienvenue dans la Minute Quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 7 avril sur l'hippodrome d'Akshevala en Suède. Revenons d'abord sur le quintet de la veille qui avait lieu en cette journée dominicale sur l'hippodrome Doomaker, toujours en Suède. Antrak is Black, le numéro 8, s'impose devant notre favori Corroded. La Minute Quintée donne le tiercé en 3 chevaux, le quartet et le quintet en 6 chevaux, mais malheureusement pas dans le bon ordre pour espérer de gros gains. Chez nos amis du concours de pronos gratuit, une fois encore, nombreux sont les gagnants. Accordons une note spéciale à Zarco, Bruno, Ourasi 39, Badré 13 et Pépite 44 qui marquent quelques petits points supplémentaires que les autres gagnants grâce à leur bonne base. Allez, une fois encore, direction la Suède. L'hippodrome d'Akshevala sera sur le pont ce mardi 7 avril 2020. Le prix Gipsa Durzi, 9e et avant-dernière course de la Réunion 1, verra son départ être donné à 21h15. Sur le parcours ultra rapide des 1640 mètres de l'anneau à main gauche, nos 12 trotteurs partiront à l'aide de l'autostart. Assurément, les aiguilles du chrono vont s'affoler. Cela n'est un secret pour personne, mais nous aimons la drift de Carl Johan Jepson. Ici, ce fin professionnel sera aux commandes d'un Hurricane Driver, le numéro 4, ne pouvant rêver meilleur numéro derrière la voiture. À lui de faire la différence à ses commandes. Brillant lauréat sur cette même piste d'Axevala lors de son avant-dernier essai, Corleone, le numéro 2, va tenter de reprendre sa marche en avant et faire oublier sa dernière tentative où il s'est malheureusement élancé au galop. It's Time, le numéro 3, est remarquablement placé derrière l'autostart avec le numéro 3. Son entourage étant confiant, nous sommes dans l'obligation de le retenir en haut rang. Ne pas accorder de crédit à la candidature de Rossi Palema, le numéro 8, sous prétexte qu'il s'élance avec le numéro 8, donc derrière la voiture, serait faire fausse route. Alicia Boré, le numéro 9, qui devra composer avec une position en deuxième ligne à la corde, aura également des fans. J.H. Response, le numéro 7, qui a quelques titres, peut rivaliser avec les premiers cités. Si non partant il venait à y avoir, Otens Dibabal, femelle de 7 ans, le numéro 1, prendrait place dans notre combinaison. Bon quintet plus à tous les amis et à demain.